Spelen ongetwijfeld boeiende wedstrijden in het UEFA Cup toernooi op 21 en 28 februari. Andere sport, zwemmen morgen. Part de la phase, il y a eu la perte de balle de Colotilco et ça a été très vite du côté de Moucron pour repartir. Mpoké qui a évité son opposant direct, Grégoire est là pour installer aux commandes l'Excelsior Moucron 1-0 après 8 minutes de jeu. On voit le travail du jeune Congolais Mpoké et puis le bon contrôle et le tir instantané qui suit entre le poteau et Van de Put. 1-0 pour Moucron, voilà une rencontre qui démarre fort bien. Et bien c'est la première action et le premier but pour Moucron, alors que de l'autre côté Alou a une possibilité, le centre est pas mauvais, s'il est très mauvais finalement. Il y avait sans doute mieux à faire. Smith va essayer d'ouvrir, voilà ce qui est fait avec Smith. Alou attend ce ballon, le voici le français. Alou, la vivacité, Mitou, le bon relais, Alou encore, le français en retrait. Ah, c'est la deuxième fois qu'il se montre très collectif, et trop collectif peut-être. Voilà, Steve Dugardin blessé, ne remontera pas sur la pelouse, tout cela après un quart d'heure de jeu. Une perte là pour l'Excelsior, et la montée au jeu de Clayton. De Vleeschhouwer pour ce coup franc. Au profit de l'Excel, ballon très travaillé, la tête de Smet, celle de Fassot. C'est pas perdu pour les Boucronois, Vidovic en déviation, c'est pas mal fait. Zevlakov, le centre pour son frère, ça passe en rien au-dessus. Voici les deux Polonais en action. Eux dont on chuchote le départ imminent peut-être, en tout cas une somme de transfert a été déterminée. Somme en dessous de laquelle Moucron ne descendra pas pour les éventuels candidats acquéreurs. Les Zevlakov en action et Dugardin qui rentre au vestiaire, une image forte évidemment. Alou. Vitovic qui a tenté l'interception, on n'y est pas parvenu face à Colotilco. Le bon centre, Origi, le goal. Voici l'égalisation de Molenbeek et elle est méritée. On sentait la maîtrise un petit peu plus importante au niveau de la possession du ballon côté molenbeekois. Et voici la récompense avec Colotilco qui s'est joué de Vidovic. Le centre impeccable pour Origi qui surgit. Un but partout dans cette rencontre, 34 minutes de jeu. Vleeschhouwer, troisième crochet, puis Teklak qui lance bien Mpoké, au plus avec Carbo. Le centre immédiat d'Mpoké, Fassot dans les pieds de Martic, la reprise et Van de Put, l'arrêt déterminant. En tout cas sur cette phase-ci, Martic en excellente position pourtant. Et le danger qui était venu de Mpoké, qui avait débordé Carbo pour une fois. Regardez le centre, repoussé par Fassot, mais là en plein dans les pieds de Martic qui ne peut pas conclure. En plein sur Van de Put, cette frappe du Croate. Smet, Colotilco qui a attendu ce ballon. Grossière erreur, Vidovic avait bien anticipé. Grégoire peut repartir. Appel de balle de Zevlakov à gauche, Grégoire préfère y aller seul. Martic qui écarte encore de Vleeschhouwer. La frappe, cette fois c'est goal. Oui. Et si l'égalisation de Molenbeek était méritée, l'avantage repris par Moucron l'est tout autant, car depuis le 1 but partout, eh bien Moucron s'était créé deux très belles occasions. Voici la troisième, convertie en but par Koen de Vleeschhouwer au terme d'un excellent mouvement collectif. Toute la vista de Martic pour écarter au dernier moment et de Vleeschhouwer sans se poser de questions. Regardez, ça passe sous le bras de Van de Put. 2-1 après 41 minutes de jeu. Eh bien, on en voit en tout cas des buts ce soir. Van Oekelen, le centre, Supermerch, le petit pas dedans, Origi, Timmerman qui veut emmener ce ballon, on n'y parvient pas si avec un petit peu de chance, c'est vrai, mais Mitou est là pour la frappe de gauche. Et bien voici la réaction immédiate de Molenbeek, ça passe loin à côté du but de Van Dendrich, mais il y avait du danger dans le domaine moucronois. Coup de coin, beauté, ah, très mal, c'était vers Mpoké, quoique avec un peu de réussite, Martic et la reprise, elle est belle ce goal. Zevlakov. Le coup de coin à la base était très mal donné, mais regardez comme quoi la conclusion de l'action impeccable. Zevlakov, quel geste technique magnifique du Polonais. On va revoir tout ça. Regardez, Van de Put qui sautille, le ballon qui va arriver pas tout à fait là où il faut pour Mpoké, et finalement Martic, ballon contré par Origi. Et alors là, que dire de plus si ce n'est que c'est magnifique. Zevlakov 3-1, on rejoue depuis 2 minutes, c'est vraiment un début de seconde période idéal pour Moucron. Nouvelle vision
du geste technique tenté par Zev Lakoff. Pas pour rien qu'il est convoité par pas mal de clubs en Europe. Smith, la passe de Mitou n'était pas bonne. Zev Lakoff qui peut relancer Grégoire. Appel de balle de Mpoké. Grégoire poursuit balle au pied. Et il tente le lob. C'est astucieux ça. Et 22 buts. Voilà, Emilio Ferreira qui vient de procéder à son premier changement. Butera qui monte au jeu en remplacement de Van Oekelen. Récupération de Timmerman pour Molenbeek. Origi en relais. Butera, c'est bien joué. Pas question de hors-jeu. Origi encore qui veut passer en force. Il retrouve Smith en retrait. La bonne ouverture pour Alou. Situation intéressante pour les Bruxellois. Le centre, deuxième poteau. Origi qui ne peut pas redresser ce ballon de la tête. C'était parti de la gauche. Origi était à l'origine. Et puis ce ballon est revenu vers Smith. On a pu écarter cela. Le centre de Alou n'a rien donné finalement avec ce coup de tête qui n'a pas pu être repiqué par le Kenyan. 22 buts. Origi Butera qui emmène ce ballon à la retourne pour Colotilco, la sortie de Van den Driche. Et Colotilco qui a eu le fair play de ne pas tendre ce pied qui aurait sans doute fait mal au gardien boucronois. Fassot. Le centre vers Origi en déviation. Mitou le contrôle, le tir immédiat qui passe et qui a été dévié. On revoit. Regardez, contrôle et tir instantané. Qui a dévié ce ballon. Colotico, la reprise. Ça a été dévié, ça, en coup de poing. Clayton, là, on fait du surplace. Et on revient vers Martic. Le changement d'aile est impeccable pour De Vleeschhouwer. Le contrôle de la cuisse. Kleiss, la frappe à côté du but. Belle possibilité pour Geoffrey Kleiss, qui a remplacé Christophe Grégoire il y a quelques minutes. Il reste encore 13 minutes au compteur. Et Moucron, de temps à autre, qui se montre dangereux, même si c'est Molenbeek qui est le plus souvent présent dans la partie adverse. Butera qui a récupéré ce ballon. La bonne passe pour Alou. Le but, ça, non ! Ça passe à côté, mais vraiment un fifrelin. Ah, quelle belle occasion. Il reste 9 minutes de jeu. Et si Alou avait pu mettre ce ballon dans le but, la fin de match aurait été très intéressante. Il n'en est rien. Occasion galvaudée, alors qu'il y a quand même un Moukronois, me semble-t-il, qui a touché ce ballon en dernier lieu. Tonči Martić qui se prépare. Le regard droit, un petit geste à l'attention de l'arbitre. Le coup franc, le pied gauche, il est beau ce but là. Magnifique. Tonči Martić. Ah, quel envoi. Plein lucarne, 22 buts. Impuissant sur ce coup là. 4-1 en toute décontraction, j'ai envie de dire, de la part du Croate. Ah, vraiment un solide coup de patte. Hein. Alors on voit ça. On a eu quelques beaux buts hein, dans ce match avec celui de Zev Lakoff tout à l'heure. Regardez ici, 22 buts qui dévient, mais pas suffisamment pour empêcher le ballon de secouer une quatrième fois les filets. 4-1, il reste 4 minutes de jeu. Et une dernière vision de ce but superbe de Martić. Zev Lakoff encore. Récupération de Martić. Bonne transversale de Vleeschhouwer qui tente de placer ce ballon sur 22 buts. On va en rester là. Le 22 septembre dernier en championnat, le score était de 4-1 pour Moucron face à Molenbeek. C'était la première victoire à l'époque de la saison des hommes de Brose. Le score est identique ce soir, mais en coupe cette fois. 4 buts à 1 également et qualification donc de Moucron. Oui, des nouvelles de Steve Dugardin tout d'abord. Hein, choqué, mais plus de peur que de mal. Il sera là donc mardi prochain pour l'autre choc sportif, celui-là entre Moucron et le club de Bruges. D'autres nouvelles aussi, c'est pas la première fois, comme dirait Rodrigo Benken, c'est toujours à la 8e minute que Molenbeek prend son premier but. Ça commence à embêter Emilio Ferreira. On va le retrouver à l'interview avec l'autre entraîneur de Moucron cette fois, Hugo Broos. Voilà, Hugo Broos, l'essentiel c'est la qualification. J'ai envie de dire qu'elle s'est déroulée tout à fait naturellement aujourd'hui, qu'il n'y a pas eu de grosses difficultés. Non, pas vraiment. Peut-être le deuxième mi-temps, au moment que ça devenait 3-1, l'Herbédien a essayé de tout pour le tout. Ils ont resté avec 4 devant. Et ça a posé quelques problèmes. Mais je pense surtout le match que Moukron mérite de gagner le match aujourd'hui. Voilà en quart de finale, ça devient quoi l'objectif majeur de la saison de Moucron quoi ? Non, une coupe c'est toujours une sorte de loterie et
Donc on ne peut certainement pas faire la coupe comme but pour une saison, mais on est en quart de finale. Donc à mois de janvier, quand on va jouer ce match de coupe, on va certainement faire tout notre possible pour arriver en demi-finale et on ne sait jamais. Vous prenez à nouveau un but très tôt dans la partie, ça oriente un petit peu le match dès l'entame. Oui, mais enfin, on revient bien dans le match. On était, quand on égalise, je crois qu'on était les maîtres du terrain, du moins dans l'entrejeu. Et puis, on prend un deuxième but stupide, une paire de balles stupide, une contre-attaque rapide. Et voilà. Donc, mais c'est surtout le troisième but qui nous fait mal. À l'entrée de la deuxième mi-temps, on prend ce troisième but. Et ce qui est décevant et ralent, c'est qu'on... On a l'impression de... Enfin, on encaisse beaucoup. Contre Bruges, on prend 3 buts. Ici, on en prend 4. Donc, ça fait 7 buts en 2 matchs. Mais on ne donne pas tellement d'occasion à l'adversaire. Donc, c'est ça qui est un petit peu paradoxal. Parce que le nombre d'occasions qu'a eu Mokran aujourd'hui, c'est pas élevé énorme. Dernière chose, je dirais que ça reste positif pour Molenbeek. Bien sûr, l'ampleur du score aujourd'hui est un petit peu grande. Mais je dirais que vous continuez sur la bonne voie, là. Oui, mais ça fait 2 défaites d'affilée, on ne peut pas se permettre ça. On peut pas accepter ça, d'autant plus qu'on a... Si un adversaire vous est supérieur, il n'y a pas de problème qu'il gagne. Mais ce soir, je ne crois pas que Mokran a... je crois qu'on a plutôt donné la victoire à Mokran. Ce n'est pas Mokran qui est venu la chercher, c'est le RWDM qui l'a donnée. Et ça, c'est dommage. Oui, apparemment, les deux entraîneurs n'ont pas vu la même rencontre. Deux autres entraîneurs qui se connaissent bien, c'est Ariel Jacobs et Philippe Saint-Jean. On va évidemment évoquer l'autre choc de la soirée entre La Louvière et Tubize. La Louvière qui reste sur un bon déplacement à Lokeren et Tubize en division 3 dans le ventre mou du classement, mais qui est allé faire match nul à Eupen. Les deux équipes sont donc en forme. Cela devait donc donner une rencontre spectaculaire. La Louvière, Tubize, Hervé Gilbert. Aïe aïe, Bullings. Et quelqu'un sur chaque joueur bleu. Rivenet. Bonne ouverture vers Aydok, la reprise, et c'est à côté. Eh bien, c'est le plus beau mouvement louviérois depuis le début de la partie, après un quart d'heure de jeu. C'est en voie de Aydok, qui n'est pas passé si loin. Est envoyé par Brissinck. Ce ballon, repris de la tête, par personne. Dégagé, puis la reprise de Tillman, là. Des pieds sauvés par Lemens, sur la ligne. Ah, c'était dangereux, ça, ce ballon qui a tardé à être dégagé. Et puis la reprise de Frédéric Tillman à l'entrée du rectangle et le dégagement des pieds de Lemens qui avait la vue un peu masquée, j'ai l'impression. De Rave, face à nous. Le centre un peu haut et ça va directement. Et ça a heurté la transversale, même un tir surprenant là de face à nous. Intervention, Abdelali. Bonne technique. En deux temps, on ne passe pas à Aydok. Maintenant, c'est fait. Gailly, déviation vers Boula, il va vite, il a le contre pour lui, Boula devant Proto qui le sortir. Karaganis. Sravis, ennuyé par Boula, Nils qui surgit avant Bullings, c'est bien vu. Gailly, il y a du renfort pour ce jeune-là, un jeune du club. La passe en profondeur, elle est bonne. En direction de Rémy, qui n'a pas évité Proto. C'est pas fini, on reste avec Tubize dans le camp louviérois. Stillman qui tente le tir et le lob surtout, ça ne passe pas loin non plus. Superbe action des Brabançons. Ah, ils y croient, hein. Ça c'est clair. Hein. Bula, Nils, ça combine bien. Abdelali, le centre de Abdelali, ou plutôt la passe vers Nils qui va centrer, le voilà. Et de nouveau, mais de nouveau, c'était dangereux. Karaganis, il a le champ devant lui. Il va chercher de manière impeccable. Aydok en retrait, Brissinck face à Noglis, Brissinck en relais dans le rectangle, tir contré, puis Bullings là. À l'heure de jeu, ce coup de coin de Frédéric Tillman qui monte haut, qui arrive dans les pieds d'Alia et qui va tirer. Et c'est le but. Le but d'ouverture. Adrian Aliaï, c'est son premier match, c'est la première fois qu'il rentre cette saison. Un dégagement de Lemens sur la tête de Surahi qui ne peut prolonger que sur celle de Siké, attentif, qui se repositionne immédiatement. Et Rémy, le petit pont n'est pas passé. Le ballon aussi, mais pas Louis. Prolongation vers Aliaï.
C'est du 4 contre 3, il va tirer Aliaï, le voilà, et sur la latte, quel envoi puissant, c'est pas fini, Bullings, maintenant ça y est. Et Adrian Aliaï, beaucoup d'aisance aujourd'hui, hein. Vous voyez sur ce tir, c'est tendu, ça part bien, si c'est but pour le même prix, il n'y a rien à dire. Hein. Bullings, le ballon est perdu, récupéré, Boula, joli ça, le petit tour pour mettre Karyanis dans le vent, maintenant il faudrait du renfort, il essaie d'y aller seul. Il est bousculé fautivement alors qu'il avait perdu le ballon. C'est une faute un peu inutile, là, de Bullings. Et le tir directement, les points de proto. C'est un envoi de Fasano, là, qui partait droit vers la lucarne du gardien louviérois. La faute sur Bula à la demi-heure dans cette seconde période. Et un coup franc bien mis pour Tubize. De Rave et puis Fasano. De Rave l'envoie, c'est goal. L'égalisation. Ah, ils ont... Ils ont leur plaisir, naturellement, le joueur de Tubize. Ils méritent ce but 100 fois. Au vu de ce qu'ils ont montré jusqu'à présent. C'est limpide, c'est droit, ça va dedans. C'est De Rave qui a mis ça au fond. Grégory De Rave. Alors, un coup franc. On va y aller directement avec Adrian Aliaï. L'envoi, c'est puissant. Et Lemens qui doit se mettre sur la trajectoire du ballon. Et le repousser. Un bon tir, hein. Ah, il a une fameuse frappe à l'IA et ça revient avec Jim et Brissin qui contrôle de la poitrine directement dehors. On la donne à Rivenet qui s'en sort bien. Le centre de Rivenet, il est bon et puis la tête de Bullings. 2-1. Ah, c'est bien fait. Et Yves Bullings, un ancien de Tubize. On va peut-être le dire ainsi, mais qui crucifie un peu ses anciennes couleurs là, alors qu'il ne reste que 7 minutes à jouer en tout et pour tout dans la partie. Oui, il s'en est valu très peu effectivement pour que Tubize ne crée la surprise. Cela dit, le score est somme toute logique compte tenu de la différence de division. Donc Ariel Jacobs et Philippe Saint-Jean se connaissent bien et ils ont plus ou moins la même vision du football. On les écoute. La seule grande nouvelle pour la Louvière aujourd'hui, c'est que le club accède pour la première fois au quart de finale. Je dirais que c'est le principal et je crois que tout le monde voulait signer avant le match pour réaliser cela. Je crois que le scénario du match, ben, à la limite, il était connu avant le match tel qu'il s'est déroulé. Et après coup, il faut s'estimer heureux que nous soyons passés. C'est une incapacité à faire le jeu quand il le faut, parce que si vous êtes dehors aujourd'hui, c'est le même prix. C'est vrai, c'est le même prix. Je crois que c'est deux facteurs principalement. La bonne organisation de Tubize. Bon, j'entends dire à gauche et à droite, Tubize a joué défensivement, laissé venir, mais je crois que c'est quelque part un mérite et tout à fait compréhensible qu'une équipe de Détroit ne vienne pas ici la fleur au fusil. Donc ils ont joué d'une façon fort organisée, à hauteur de leur rectangle, et ont spéculé sur certains contres. Et puis d'un autre côté, sur un espace réduit, notre problème était de faire le jeu. Je ne crois pas que nous soyons la seule équipe en Belgique à avoir ce problème-là, mais c'est vrai que c'était assez flagrant aujourd'hui. Et Philippe Saint-Jean est un malin. Philippe Saint-Jean est un malin. Je crois que c'est, je vous dis, bon, si le groupe a traduit ses idées, je crois que le mérite revient aussi bien à l'entraîneur qu'au groupe, à notre adversaire. Philippe Saint-Jean, déçu uniquement par les chiffres aujourd'hui? Oui, bon, les chiffres, mais aussi la manière dont on rate nos occasions. Individuellement, bon, je pense que tout le monde a fait son possible, mais il y avait des meilleurs enchaînements à faire. Les occasions étaient là, on devait tuer le match bien avant. Et ensuite, on prend des buts sur ce qu'on a préparé. Bon, on n'a pas eu beaucoup d'entraînement sur la Louvière, mais on savait que dans les phases arrêtées, ils étaient redoutables. Et on prend deux buts sur phases arrêtées, sur les seconds ballons. Et là, on doit être plus présent. Mais on est en phase d'avancement. On se connaît à peine, donc ce n'est pas toujours évident. C'est vrai qu'au niveau des occasions, Tubize avait la possibilité, mais c'est l'expérience aussi et la différence de division donc. Autre rencontre avec la même différence de division d'ailleurs, celle qui opposait Lokeren à Oude Heuvelen. Un choc qu'a suivi pour nous Jonathan Bradfer. Lokeren en vert, c'est exceptionnel. Oude Heuvelen contre une équipe de D1, c'est historique. Le gardien et son défenseur, peut-être impressionné, servent Bangoura qui ne conclut pas. Lokeren dominé, mais calmement, Oude Heuvelen est bien regroupé, un mur défensif, difficile à contourner. Alors Vonacek veut le transpercer, mais le poteau est sur sa route. Oude Heuvelen joue les premiers postes en Détroit, ce soir il joue la contre-attaque.
timidement. Zitka, lui, est vigilant. Petit match, 0-0 à la mi-temps. À la reprise, la jeune équipe brabançonne veut croire en ses chances. Tim Smolder s'envoie un boulet de canon. Zitka le détourne. Lokeren est toujours aussi lent et peu inspiré, mais il y a plus d'occasions. Christinson pour Bangura. Position difficile, Boyen capte le ballon. Il reste 15 minutes, le rythme monte d'un cran. Hans Gutteis alerte encore Zitka. Lokeren est très brouillon, mais le meilleur homme sur le terrain, c'est Bangura. 85e minute, balle de match pour le Guinéen. Seul face au gardien, le ballon frôle le poteau. Enfin du suspense dans cette partie, 2 minutes encore. De Geest au coup franc, Vonacek espère trouver Bangura, la détente du Guinéen. Et le but, Vonacek remet ça dans la mêlée. Bangura saute plus haut que tout le monde. Coup de tête dans le coin, décisif. 1-0 dans la douleur, Aude-Verley n'a pas démérité mais ne se relèvera pas. Petit match, petit score, Bangura emmène les siens en quart de finale. Oui, on le constate, en Coupe de Belgique, eh bien, les différences de division ne se traduisent pas par le score. Chaque fois, un but d'écart seulement entre les deux formations. L'autre rencontre qui arrive maintenant met aux prises deux équipes de division 1. Le Lyrs, qui connaît un petit passage creux, mais qui se remet quelque peu. Alost, par contre, pour qui c'est la dégringolade. Et pourquoi pas une opportunité en Coupe de Belgique. Lyrs, Alost, avec les commentaires de Benjamin de Senac au LISP. Énormément de places vides ici. Lyrs Alost, deux équipes un peu mal en point en championnat qui espèrent évidemment se refaire une petite santé morale grâce à cette Coupe de Belgique. Et pourquoi pas voir aussi beaucoup de buts avec deux équipes qui n'ont pas l'habitude de fermer le jeu. Tout cela arbitré par monsieur De Bleckere. Un long ballon de Snooks, il est bon vers Archie Thompson qui rentre dans le jeu. Il attend un soutien de son partenaire. Frigard est là, il va lui rendre attention dans l'axe. C'est bien joué. La première occasion. Et c'est but! 3 minutes de jeu, Archie Thompson, l'Australien. Et voilà, il fait des bonds de kangourou, il a raison. Il est tout simplement le recordman du monde de nombre de buts en un seul match. 13 avec l'Australie exactement, contre les Samoas américaines. Mais celui-ci est peut-être beaucoup plus important pour son équipe. 1-0 après 4 minutes de jeu. Alors Eric Joly pour donner son coup franc. 10 minutes de jeu, il n'est pas mauvais. Au deuxième poteau. Et juste à côté, cette reprise de la tête de Cédric Carré. Joly, qui est sans doute le joueur qui a touché le plus de ballons depuis le début de la rencontre. Mais il est très esselé à Alost depuis 43 minutes de jeu. À l'image un peu de cette phase. Perte de balle très rapide, d'un côté comme de l'autre. Ce qui donne un spectacle assez pauvre depuis 35 minutes de jeu. 1-0 à la mi-temps. Alors 10 minutes de jeu dans cette deuxième mi-temps. Karel Snooks pour un coup franc, dévié au premier poteau. Et c'est Porters qui passe à côté et qui se tient la tête. Alors ça joue vite aussi du côté du Lyrs. On accélère depuis 3-4 minutes des deux côtés. Pas pour nous déplaire. Avec Frigard qui ouvre vers Jensens. Qui vient de remplacer Atchin Thompson. Il rentre dans le jeu, il tente sa chance, c'est bien joué. Et c'est but. Eh bien voilà. Première touche de balle pour Jensen, il vient de remplacer le premier buteur, ce jeune joueur du Lyrs. Eh bien, il ne manque pas d'aplomb, regardez, belle frappe du gauche, Kujovic légèrement avancé. Et 2-0 pour le Lyrs, on joue depuis 16 minutes en deuxième mi-temps. Alors, le voici, Holtzetzi à nouveau. Ballon récupéré par De Condé, Dimbala est lancé, il va pouvoir tirer. Et beau réflexe de Deman. La voici enfin cette première véritable occasion d'Alost en seconde mi-temps. Alors Nagy et Dimbala. Et pour l'instant, Nagy qui prend systématiquement le dessus. Et la mauvaise passe d'Imakboudou. Donc peut profiter The Games. Qui tricote un petit peu. Perte de balle d'un côté puis de l'autre. Les défenses restent vigilantes. Dimbala en 1-2. Pas de hors-jeu. C'était limite. Alors oui, évidemment, pas de hors-jeu. Ah, ça aurait pu tout changer cette action. À plus d'un quart d'heure de la fin. De quoi en vouloir au juge de ligne. Avec Georges Hartz qui lui utilise beaucoup plus le long ballon que ses partenaires. Cela arrive cette fois-ci. La Colcese, très vive, il se retourne. Et de nouveau, un bel arrêt, très difficile. Le Deman à rater, un petit ballon bondissant. Colcese qui est bien rentré. Snooks.
vers Janssens, contrôle du talon. Attention, il a une bonne frappe, on a pu le constater. Il retente sa chance, ça passe juste à côté. Eh bien, il ne manque pas de sang-froid. Joli mais en fait de Holtzedze. Beaucoup plus remuant. Attention, Dimbala devant De Man où il loupe complètement son lob. Un petit peu impuissant, Manu Ferreira. Le Lyrs a récupéré au moins cette balle pour une dernière occasion, sans doute avec Katsic. 3 contre 3, deuxième poteau, Janssens. Le voici. Contrôle difficile et coup de pied de but. Et ben voilà, ce sera la dernière occasion. Victoire au petit trot du Lyrs. Un but rapide en début de match et un but rapide en ce début de seconde mi-temps. Suffit à l'équipe locale pour l'emporter face à une équipe d'Alos qui s'est montrée presque incapable de réagir. Et pourtant, il le faudra car les hommes de Manu Ferreira n'ont plus gagné depuis le 22 septembre. Score final 2-0. Oui, le 22 septembre, ça fait beaucoup, hein, évidemment. Il reste une rencontre à découvrir ce soir avec un autre choc entre un D3 et un D1, puisque vous le savez, il n'y a plus aucun club de Division 2 ce soir. Turnhout, Beveren, une rencontre indécise compte tenu de l'état de forme des joueurs de Beveren. Elle est suivie par Jonathan Badefer encore. Et Beveren part pour une fois avec le statut de favori dans cette rencontre. Après 8 minutes, cela se confirme. Dani Levicius, dans le rectangle, remet bien de la tête. Johan Van Rumst surgit, 0-1. Quelques minutes plus tard, Beveren encore à l'attaque avec Zezeto et encore Dani Levicius. Dans le rectangle, le défenseur tarde à dégager. Yapi Yapo surgit, deux occasions, deux buts, 0-2 à la mi-temps. La seconde période est très ouverte, Turnhout ne se décourage pas. 47 minutes de jeu, Asamoah réduit le score. Versavel se rate, Asamoah surgit alors pour inscrire ce but. 1-2, le match est relancé. Carte rouge pour Trouré, Beveren est à 10 et Turnhout pousse encore pour arracher les prolongations. Versavel au coup de coin, Jacobs à la réception, égalisation. Et puis dans les dernières minutes, ce coup franc qui crucifie l'équipe locale. 2-3, un but de Gourdin qui envoie donc Beveren en quart de finale grâce à ce coup franc. Oui, on aura vu de très beaux buts ce soir. Alors, confirmation de tout cela avec la qualification pour les quarts de Moucron, vainqueur du RWDM 4-1, de La Louvière 2-1 face à Tubize, Lokeren Oud-Everlé 1-0, Lyrs Alost 2-0, Turnhout Beveren 2-3, Genk Westerlo et Germinal Beerschot Saint-Tron se joueront samedi et Antwerp Club de Bruges a été reporté. Voilà pour les rencontres de ces huitièmes de finale. Tirage au sort pour les quarts, bien sûr, le 19 décembre au siège de la Fédération, bien sûr. Quelques informations à l'étranger, on va remuer un petit peu le couteau dans la plaie, puisqu'on a découvert aujourd'hui les huitièmes de finale de la Coupe UEFA. Si Bruges avait éliminé Lyon, eh bien, ils auraient hérité des Tchèques de Slovan Liberec, un excellent tirage. Ça ne sert à rien parce que ça fait mal, évidemment. Ça fait mal aussi à l'estomac de Sven Vermaan, qui souffre d'une intoxication alimentaire. Par contre, Emile Mpenza revient, reprendra les entraînements le 2 janvier. Bonne nouvelle pour Robert Wassege, Schalke s'est qualifié en Coupe d'Allemagne. Par contre, le Real a été battu par Tarragone, un club de Division 2. Et en Angleterre, Liverpool a fait match nul pendant que Manchester United s'imposait 5-0 face à Derby. J'allais oublier, mais c'est très important, des résultats de basket, parce que là aussi, c'était la Coupe d'Europe. Honneur aux dames, Coupe Ranketti avec la victoire de Namur. En Euroleague, Charleroi s'est imposé pour la première fois en déplacement chez les Polonais de Wrocław. Ça continue avec les bons résultats en Coupe Korac et la victoire de Mons à Leverkusen d'un point, 76-77. Et on termine avec deux défaites, celle d'Anvers à Nancy et défaite de Pepinster à Siouliai. Voilà, prochain rendez-vous sportif, eh bien c'est dimanche puisqu'il n'y aura pas de match 1. Vous savez, en concernant le sommet européen, eh bien pas assez de force de l'ordre pour gérer un petit peu les rencontres des divisions. Et donc on est reporté à dimanche. Et puis vous aurez les résultats, les résumés en tout cas des deux rencontres qui clôtureront ces huitièmes de finale. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée ou bonne nuit. Au revoir.